Salut à tous, c'est Hubert pour Danse à la Maison. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu les autres vidéos pour danser la bachata en solo. Et là, on commence aussi à voir qu'est-ce que ça donne à deux. Aujourd'hui, troisième pas de base, le balancer. T'es prêt? T'as poussé les meubles? T'as pris une partenaire ou un partenaire? On y va! Ha! Ok, t'es prêt? Bon. Allez, c'est parti. On va faire le balancer. Donc, je reprends toujours ma position. Je la remontre, hein. Ma main droite à l'omoplate, la danseuse pose bien son bras gauche sur moi, ma main gauche avec sa main droite, je referme les doigts et je fais bien attention à ne pas lui écraser la main. Ça va? Vous êtes bien dans cette position? Donc nous, pour la commodité, moi en tant que danseur ou de personne qui guide, je me mets comme ça. Alors les balancés, souviens-toi, c'est ce truc-là, regarde, je vais balancer, pose, tap, pose, tap, pose, tap, pose, tap. Ce qui n'est pas évident, c'est que quand on va guider cette personne-là, il faut qu'elle comprenne ce que je veux faire. Donc, je vais bien ralentir et plier un peu les jambes pour lui dire qu'on va changer notre poids du corps et balancer de gauche à droite, de gauche à droite. La danseuse, toujours pied droit. Le monsieur, pied gauche. En tout cas, la personne qui guide va commencer pied gauche. Donc, on va faire un petit pas de base d'abord. On fait 5, 6, 7, c'est parti, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, regarde monsieur, je vais plier un tout petit peu et comme ça, elle va sentir que, ah, il va se passer quelque chose. Et là, on y va pour les balancer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'en fait que 4 et ensuite, je repars pas de base. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Je peux recommencer, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout va bien? Très bien. Je le fais avec la danseuse qui est dos ici à la caméra. Donc, vous êtes prêts? Moi, je pars pied gauche et elle part pied droit. Le pas de base. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je plie un tout petit peu pour lui dire qu'on va faire les balancés, ça va changer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parti, pas de base. Et 1, 2, 3 et 4, 5, et je repars balancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va en musique. C'est parti pour la musique. Prenez votre danseuse, prenez votre partenaire. Je me mets de dos, c'est plus commode. Donc, quand c'est comme ça, la musique est comme ça, on peut balancer, regarde comme ça, balance. D'accord? Et ensuite, on se le refera avec le pas de base. T'es prêt? J'annonce, ça fait 5, 6, 7 et 8. Pam, pam, pam. Encore. Très bien. Un dernier pas de base et ensuite le balancer. T'es prêt? Maintenant. Et pa, 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 pa de base. Et ta. Encore une fois, vas-y. Et 1, 2, 3. Et repas. Très bien. Encore une fois, vas-y. Et pa, pa, pa. Et pa, oui. Un dernier, on y va. Et pam, 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 pas de base. Et ta, 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 stop. Ah! Très bien, ça s'est bien passé pour ce troisième pas de base, le balancer. N'oubliez pas, vous y allez très lentement, vous remettez la vidéo en boucle, c'est très important. Et comme ça, vous pourrez faire les trois pas de base à la suite. On verra, on se fera un petit enchaînement avec les trois pas de base à la suite. Ce sera dans la prochaine vidéo. Donc pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. D'accord? Comme ça, vous avez les prochaines vidéos qui arrivent et vous allez être de plus en plus à l'aise en bachata, que ce soit seul ou à deux. Bon, on se retrouve à la prochaine fois. Ciao! Bye bye!